Et salut à tous, on se retrouve sur Minecraft pour jouer un petit peu au yo-yo, comme c'est écrit par terre. Je vais vous montrer comment j'arrive à m'amuser avec rien du tout dans le jeu. D'ailleurs, au passage, on dirait un petit peu que j'ai le cou du lapin comme ça, genre en mode ah, ma tête elle tombe. Bref, 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 bref. Donc, le yo-yo. Alors, c'est très simple. Alors, j'ai appelé ça un yo-yo, mais après. Après, vous allez vraiment voir, c'est très con, hein. C'est très 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 con, mais moi ça me fait marrer. Alors, il nous faut une poule, parce que bon, jouer au yo-yo c'est bien, avec une poule c'est mieux, c'est très mieux. Et très mieux, ça se dit pas, mais je m'en fous, c'est très mieux de jouer avec une poule. Une canne à pêche, et le tour est joué. Vous faites spawner votre poule, vous vous mettez en hauteur, et voilà, vous avez un yo-yo. Avec une poule. Alors je vous avais dit que c'était très con, n'est-ce pas? Vous allez comprendre, le but du jeu, c'est évidemment qu'elle ne retombe pas par terre. Forcément. N'est-ce pas? Puisque là, vous le savez, la canne à pêche ne met pas de dégâts à la poule. Hein, ça te met pas de dégâts. Hein, ça te met pas de dégâts. Et vous le savez aussi, la poule est très lente à retomber. Parce que jouer au yo-yo avec une vache, ça demande un peu de level quand même. Donc voilà, vous pouvez jouer au yo-yo avec cette petite poule. Et le but du jeu, donc, c'est qu'elle ne retombe pas. Vous allez me dire, c'est très simple. C'est très simple. Je confirme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je confirme aussi. Mais qu'est-ce que ça me fait kiffer, moi? N'est-ce pas? Et donc voilà, comment j'occupe mes soirées hivernales. En plein mois d'août, mais voilà. Et du coup, la petite arène en bas, c'était pour le fun, hein. J'avais envie de voir la gueule qu'avaient les nouveaux blocs marins de la future 1.8. Attendez, on va essayer de lui faire dépasser les nuages. Ça va être marrant, ça. Eh bien, ma poule. Wouhou! Ouh là, t'as sauté très haut. Eh bien, c'est la première fois qu'une poule atteint les nuages. Oh là là! Tu vas être la première poule dans l'espace. Ben ouais. Première poule dans l'espace! Allez, mais arrête de faire ce bruit-là. Mais tu crains rien, t'inquiète pas. Attention, on va pas se prendre le bec, hein. T'as vu, tu fais ça très bien. Elle doit avoir un peu peur, la pauvre, hein. C'est pas donné à toutes les poules de sortir de la stratosphère. Allez, viens. Au passage, attendez, je suis en train de m'exciter avec la canne à pêche. Au passage, on voit que le chargement des chunks est pas mal quand même. Hein. Là, on a vraiment un point de vue assez génial. Parce que je suis en 14W33C là pour tourner ça. D'ailleurs, on voit toujours l'arène. Ça pose problème, ça. Je veux plus qu'on voit cette arène. J'aurais dû la faire plus petite. T'as vu, t'es plus haute qu'un beacon, ma petite poule. Tu es la reine des poules. Ouf, alors là wow, t'as décollé. Oh yeah. Allez, allez ma poule. Donc voilà. Alors là, ça ressemble plus du tout à un yo-yo là, hein, on est d'accord. Parce qu'au yo-yo, on a rarement l'occasion de s'envoler comme ça, mais c'est marrant aussi. Et du coup là, on peut dire que vous avez gagné la partie. Alors après, ça peut être assez amusant d'essayer de mettre un plafond ou de piéger tout ça. Ou de rajouter un système pour que quand la poule tombe par terre, ça s'allume, ou des choses comme ça, histoire d'agrémenter un peu le bordel. Là, je dois avouer que je l'ai fait un peu à la va-vite. En fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'avais une canne à pêche, j'avais une poule qui était pas loin, qui est venue m'embêter. Et du coup, bah, j'ai joué avec, en fait. Là, je me suis dit, oh, mais ça ressemble au yo-yo. Bon, voilà ma poule. On va se laisser là. T'es où? Ma poule. Elle passait où? Elle est morte. Ben, je l'entends. Oh, elle est passée où, cette abrutie de poule? Ouh. Il neige. Ah, te fais pas électrocuter, hein, ce serait. Ah, t'es là. Merde, je continue à tomber. Ah, quel débile! Quel débile, où es-tu, ma poule? Ma poupoule. Bon, impossible de la retrouver, je sais pas du tout où elle est. Elle a dû prendre la neige. T'as pris la neige?
fais un claquement de bec si tu m'entends. Et deux si tu m'entends pas. Et trois si t'as peur de l'orage. Bon, impossible de la retrouver. Hein. De toute façon, logiquement, elle va... Wow! La poule. Ah, la voilà. Et coucou. Comment ça va? C'est un bug, ça. C'est pour ça qu'on la voyait plus. Quand on se met comme ça, on la voit plus. C'est trop bizarre. Regardez. Hop. Elle est là. Elle est plus là. Elle est là. Elle est plus là. Effectivement. Ça doit être quand on est au-dessus des nuages. Parce que là, ça le fait pas. Regardez. N'est-ce pas? Arrête de tourner sur toi-même. Tu me fais le tourner, là. Non, mais... Donc voilà, un mini-jeu très très con, mais que je trouve amusant, moi. C'est le yo-yo avec une poule. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour donner des petites idées d'ailleurs d'amélioration de ce truc. Parce qu'on peut vraiment en faire un mini-jeu. Hein. On peut vraiment en faire un mini-jeu de ça. Elle est où? Tant pis. Voilà, à commenter, à vous abonner pour voir d'autres vidéos débiles, peut-être un peu moins débiles que celle-là quand même, sur Minecraft. On se retrouve très bientôt avec la Snapshot, la 14V33 que j'ai présentée. Peut-être aujourd'hui ou demain, enfin je sais pas quand la vidéo arrivera, mais bon, elle va pas tarder à arriver. Comme la poule d'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Poupoule. Wouhou. Non? Ah, c'est l'eau, elle a dû chuter d'un coup, elle a dû prendre la flotte, cette abrutie de poule. Là. Ah, c'est pas... Oh non, elle est là. Allez, viens, ma grosse. Ouais. Toi aussi, tu dis au revoir. Et dis au revoir, la poule. Dis au revoir, ma petite. On dit au revoir. Tu. Ah oui, c'est pas respectueux pour les abonnés, ça. Elle a eu peur, hein, t'as eu peur, hein. Allez, reviens là. Allez, reviens. Allez, dis au revoir, là. Bon, tant pis, elle veut pas vous dire au revoir, moi je vous dis au revoir, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Oh. Bon, bah voilà, elle vous a dit au revoir. Allez, salut à tous.